En politique, nouveau dérapage de Jean-Marie Le Pen, interrogé sur le communautarisme. L'ancien leader a une nouvelle fois dépassé la ligne rouge dans une interview publiée hier dans le quotidien François. Jean-Marie Le Pen évoque la ville de Roubaix et affirme qu'elle est composée à 60% de maghrébins, un chiffre contesté par le cabinet du maire et qui ne repose sur aucune étude. Jean-Marie Le Pen va bien plus loin dans cet entretien. Il revient sur les révolutions qui ont eu lieu en Égypte, en Tunisie et en Syrie et déclare que le jour où les maghrébins auront décidé en France de s'attaquer au président de la République, ils pourront aller jusqu'à lui faire subir des sévices sexuels. Alors que pensent les Roubaisiens de ces propos tenus par Jean-Marie Le Pen? Écoutez ses réactions recueillies ce matin par Tanguy Lecluse. Le respect sera toujours là, on est intégrés, il n'y a pas de mal. Nous les Français, c'est nos frères, il n'y a pas de mal. Jean-Marie Le Pen, moi, franchement, je m'en fous de lui. Il bablote, il aboie comme un chien. Tout ce qu'il a déjà dit par le passé, je pense pas que ça va choquer énormément les gens. Je trouve qu'il n'a pas sa place. C'est quelqu'un de très malhonnête, de très méchant. Il nous insulte, nous on ne l'insulte pas. Monsieur Le Pen dehors. Je conseille aux gens de ne pas écouter ce genre de discours parce que on va pas se rabaisser à des choses comme ça.